Moi, il ne s'agit pas de limiter la viande à une fois par semaine. Pour moi, il s'agit plutôt de réduire la quantité de viande qu'on donne pour donner de la viande de bonne qualité. On est, non seulement on est tous différents dans notre vision de l'alimentation, mais nous sommes tous différents devant nos moyens aussi. Nous n'avons pas les mêmes moyens, nous n'avons pas la même chance. L'égalité n'existe pas, on le sait. Je vais vous donner un exemple sur la ville de Montpellier. 70% des familles payent moins de 2 euros. L'échelle va de 1,75 euros à 4,95 euros, hein, du plus petit repas payé au plus élevé. Donc ça vous donne un peu une idée de la population à Montpellier. Et la plupart de ces 70%-là comptent sur nous pour que les enfants aient un repas équilibré dans la journée, au moins dans la journée. Donc on a cette mission-là, cette mission nutritionnelle est très importante. Donner un repas par semaine de viande seulement, c'est avoir des enfants qui vont manger de la viande qu'une fois sur 8 par semaine, sur 8, qu'une fois sur 14 par semaine. Des fois. C'est-à-dire, il y a une grosse information à faire à ces familles-là, à ces personnes-là, pour qu'elles comprennent que le travail qu'on fait sur l'alimentation durable, et notamment la limitation de la viande, il faut qu'on les informe et qu'on les sensibilise à notre action pour pas qu'elle soit perçue comme simplement une recherche de gains financiers et une diminution des rations qu'on doit donner. La bouffe, c'est politique, oui. Ça va le devenir et il ne faudrait pas. C'est ça qui est dangereux. La nourriture ne doit pas devenir politique. La nourriture, elle est au fond de nous-mêmes. Elle vient de ce qu'on a senti quand on était petit, elle vient de nos grands-parents, elle vient de ce que faisait maman, elle vient de ce que nous, on a connu au fil du temps, de nos voyages, de ce qu'on partage. C'est quoi l'alimentation? L'alimentation, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est quand on a envie de rencontrer quelqu'un, on l'invite au restaurant. Quand on a envie de passer du temps avec des amis, on va boire un verre avec des tapas. C'est ça l'alimentation. Et c'est pas du tout politique. Il faut pas que ça le devienne. Malheureusement, on est dans un système qui va de plus en plus mettre l'alimentation dans le sujet politique.